Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons sur Borderlands Pré-Séquel, toujours en compagnie de Wozuk, salut à toi. Salut tout le monde. Et j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, je pense que pour le 9ème épisode, on va plutôt bien avancer, je pense. Ouais. Je l'espère, du moins. Alors attends, parce que là, il nous indique qu'il y a deux points. Pour aller au plein. On regarde un petit peu l'émission, donc j'avais vu dans les commentaires qu'on nous avait demandé de faire attention aux armes, de les diversifier. Alors, comme j'ai répondu dans le commentaire, oui, c'est bien de nous dire de diversifier, mais pour le moment, c'est un peu chaud. On n'a pas assez d'emplacement, je trouve. Donc, on verra ça. Donc, il faut aller à Concordia ou aller... foie ? C'est quoi, ça ? On a été dans un foie ? Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, bah, c'est parti. Je vais lancer un voyage rapide. C'est tard. Je vais appuyer de mes armes. Merde, vas-y, excuse-moi, vas-y. Mais... J'ai dit je laisse un voyage rapide, il fait exprès d'aller dans le menu, lui. Là, t'es ma tomate ou quoi? T'as deux de ses armes dans le chargement. Ah ouais, non, mais ça, c'est normal. Bah ça, en fait, c'est pas... Je pense pas que c'est les meilleures armes, mais c'est de bonnes armes que tu peux avoir dans le jeu. Bien sûr, après, il y a aussi le système... Bah, il faut avoir de la chatte, hein. Ouais, bah ouais. Mais, bon, on n'a pas tous autant de chatte. Que certains. Hein. En fait, c'est de la merde, ils nous ont fait aller n'importe où. Alors, c'est ça. Bizarre. Ouais. Bon, bah écoutez, hein. Fuck the police, on y va. C'est tout. Tant pis, ils nous ont dit d'aller par là, je suppose que c'était beaucoup plus rapide de l'autre côté. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, est-ce que tu peux faire back pour m'indiquer la route? Ouais. Parce que à chaque fois, c'est trop la merde en fait que moi je fasse back. Faut qu'il y ait un qui conduit, un qui dirige. Je sais que c'est de l'autre côté, là j'ai vu. Mais attends, déjà. Ouais, mais attends. Ça... Attends, moi j'ai pas l'objectif moi. Mais si, c'est une nouvelle direction. Je l'ai la nouvelle direction. Attends. Normalement, j'ai mis la quête. Voilà, de toute façon, c'est ouais, ici. C'est bon. Mais... Alors, si on trouve des coffres, éventuellement, on va les prendre, hein, bien évidemment. C'est vrai, je m'y fais pas. Hein. Je m'y fais pas ce truc-là. Tu sais quand tu fais le double saut, enfin ouais. Même ou alors quand tu fais juste un saut. Parce qu'il faut se dire, c'est que nous en fait on joue à d'autres jeux et du coup là c'est vrai que se revoir en apesanteur, c'est vrai que en mode Halo, c'est ouais. Différent. Mmh. Ouais, c'est ça en plus. Sauf que dans Halo je trouve que c'est, je sais pas si c'est aussi prononcé. Non, enfin quoique. Quoique, ouais. Ouais, je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Là. Oh, quoique, si. Oh, peut-être un peu moins prononcé, peut-être, alors, du coup. Mais ça doit pas jouer à des masses. Moi, il faut retrouver Jack. Jack à Concordia. Non, vous déconnez. Jack retournait à Concordia. Y a une arme alors qu'il ici. Était sur le vaisseau. Bah, prends-la, hein, prends-la. Oh pitié! J'ai cru de tomber. Bon, ça suffit. On va lui rendre une petite visite. Comme je t'ai dit, pas de violence. Ah ouais. S'il a des infos, il faut qu'il soit conscient pour nous les donner. Il a suffisamment de mal à articuler comme ça. L'ascenseur est toujours bloqué. Qu'est-ce qu'on se marre? J'ai un enregistrement du mérif qui fait des avances à Serena, la prise préférée du robot des douanes. Non, ça marchera jamais. Et cet enregistrement du mérif, on peut pas s'en servir pour le faire chanter? Bingo! On va aller énerver un peu notre claptrap des douanes. Prépare-nous l'enregistrement, Moxie. Ouais! Fout en l'air le douanier. Je crois que c'est en bas. En bas, ouais. Bien sûr. Bon. Hey, le robot! Et tu viens d'interrompre l'agent dans l'exercice de ses fonctions? On est venu déposer plainte. Ton super mérif enfreint la loi depuis un bon moment. Et on a des preuves. Tu as des coffres. Et si tu me racontais un peu ça? Merci de ta plainte, citoyen. Je peux t'assurer qu'elle sera étudiée. Longue vie au mérif. Mox, balance. Bon sang, ce que t'es doué pour écouter les problèmes des gens. T'es sûr que je peux pas te demander tes services, disons, physiques? Oh, je bouillonne de stress en ce moment. J'aurais bien besoin d'un petit... soulagement. Ce serait pas la première fois. Vous savez bien que les robots geisha ne sont pas programmés pour ça. Hmm.
Serena, vraiment? Je suis ton mérif. Ce serait pour le bien public de Concordia, tu sais. Et puis, j'ai de quoi bien te payer. Je croule sous l'argent de Dal en ce moment. Le mérif interface avec ma Serena? Non! Quelle horrible trahison! Et d'après mes archives, il n'a même pas rempli les autorisations nécessaires pour pratiquer ce genre de... d'activité. Ce qui vient, d'une certaine manière, justifier moralement mon outrage. Génial! Et t'as tout mon soutien, l'ami. Il paraît qu'il a justement rendez-vous avec Serena en ce moment même. Quoi? Citoyen, ce n'était pas... enfin oui, on aurait dit ma voix, mais... Non, c'est quelqu'un... quelqu'un qui m'a imité. Oh, je vous remercie de bien vouloir respecter ma vie privée. Tandis que je traverse cette nuit. Oups. C'était pas ce qui était prévu. J'ai pas vu, mais t'as fait quoi? J'ai sauté dans le vide. Je voulais regarder pour le coffre, en fait j'étais un peu trop à droite. Et j'ai pas repensé que j'aurais dû appuyer sur A. C'est pas grave les amis, bon c'était pas vraiment pour ce fail, mais c'est un beau fail, parce que il était pas prévu. Allez, prenons cet ascenseur. Quand je veux dire prévu, c'est que des fois on fait pas attention, on veut grid, hein, on veut forcer et, alors qu'on a plus de vie, et, mais là, c'est pas du tout le cas. Bon allons-y, hein, on va suivre le douanier. Je pense que c'est lui qui va le faire. Il doit avoir des passes droits. Elle est pas mal ton arme. Ouais, bah c'est le fusil à pompe. C'est 9 balles en chargeur. Et après celle-là, j'aime bien aussi celle-là. Mais c'est du coup par coup, ça c'est chiant. C'est quoi celle-là? C'est ce que je te parle, le fusil d'assaut coup par coup. D'accord. Voilà, coup par coup. Allez, c'est parti. On va parler sérieusement au mérif, surtout de son robot Gaïcha, là. Ouais. Si ça se trouve, il aura peut-être des choses dans... Non, on va pas dire le mot, parce que... Oh, qui merde, dans le cul, hein, tout à fait. Voilà. Ouais, bien pour Méo. Oh. Plus c'est long, plus c'est bon, comme on a déjà dit, mais là... Puis c'est loin. Ça doit être surtout. Ah, j'ai pas vu ça. Ça doit surtout être. Ah, il y a des pillards ici, d'accord. Ah ouais, les pillards. Ah ouais, ça rigole clairement pas ici. Aïe aïe aïe. Ah, ils font mal. Hein. Je suis déjà tombé au sol, donc oui, je peux confirmer qu'ils font extrêmement mal. Ouais. Par contre, mon fusil à pompe, j'aime bien. Inès, Jack, il a spongé la balle de... que j'ai voulu coller au brutal. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, il y a une arme ici, attends. Je crois que j'avais vu une arme. Ouais, ouais, exact. Un fusil sniper, j'en veux pas. Merde. Si t'as un flingue, tu le veux? Bah, ça dépend ce qu'il a. Attends. C'est des armes de niveau 5. Ah mais c'est quoi le truc? En fait, tu devrais pas faire échange, tu devrais jeter. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Ah ouais, attends. Parce que en fait, c'est chiant. Alors attends. Ouais, tu jettes, c'est tout. Ici, il y a un fusil sniper, mais bon. Ah, je suis plein? What? Non. Ah, j'ai pas vérifié, quel con. Ah bah non, c'est bon, j'ai été personnalisation. Mais attendez. Pourri le sniper. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, j'ai tant pas, tant pis. Il est là. Okay. Ah non, tu l'as récupéré. Ah, il est là. Ah. Oh. Ah. Ah, je sais pas. On va tester, mais je suis pas sûr qu'il va me plaire. Je vais essayer, mais je suis pas sûr qu'il va vraiment me plaire. Bon, quoique non, en fait, il est stable. Non, bah ça pourrait me plaire, ouais. Je le prends. Ouvre-moi cette porte. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de la part d'un civil. Enfin, bon, comme de toute façon, j'allais le faire. Oh, on peut s'arranger, mon Jaco. Je travaille pas vraiment pour Zarpedon. Faites
Et Meredith, je vous arrête pour avoir enfreint l'article 31-10 du code moral d'Elpis qui interdit les relations sans licence entre... Oh mon Dieu, tu m'as piqué ma meuf, sale ordure! Ouvre cette porte! Ah, c'est Rina! Il a ouvert la porte. Ouais. Gagnant sur toute la ligne, c'est génial. Allons, en avant! Jack, oh, mon Chucky, fallait me dire que t'étais en ville. J'ai retrouvé le signal qui brouillait nos systèmes sur Helios. Devine, il venait d'ici, de ton bureau. Le signal ? Le signal ! C'est elle qui m'a forcé. D'où est-ce qu'elle venait ? Je t'en prie, vas-y, mens un peu. J'ai vraiment envie que tu mentes. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Rien du tout. Je voulais juste te faire peur. Allez, maintenant, tu dégages. J'ai bien réfléchi. Il y a un moyen de revenir sur Helios. Je me rends. J'allais te laisser la vie sauve, espèce de débile. Mais c'est quoi ton problème ? Ouh, c'était... vivifiant. D'accord. Okay. Bon, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, mon super plan de génie. Pour reprendre Helios par la force, il nous faut une armée. Alors, ah ouais, non, mais je parle pas parce que j'écoute. D'accord, d'accord. Je t'expliquerai en route. Moi, je reste là, je vais fouiller dans les affaires du Mérif. On va construire une super armée de robots. Ouais, génial. Voilà ce qu'il nous faut. Un châssis de combat bien solide et une IA militaire ultra sophistiquée pour le faire marcher. Springs pourra nous aider pour l'IA. Et Moxie, tu sais où je pourrais assembler des super robots ? Vu que ce laser géant va tuer... tout le monde ? Je connais quelqu'un qui voudra bien t'aider à trouver du matériel. Laisse-moi le contacter. Je te tiens au courant. Ok, ça me va. Allez hop, au boulot. On a une lune à sauver. T'as pensé de Jack quand tu l'as rencontré, Lilith ? En sachant que Moxie t'avait plaqué pour lui ? J'ai pas aimé ce type. En même temps, t'aimes personne. J'aime bien Brick. Et bim ! Ouh ! Punchline ! Ah, le con ! Donc là, les amis, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà télécharger Borderlands sur la Xbox 360. Vu que justement on sera le 16, mercredi 16, n'hésitez pas à le télécharger, ça peut être sympa quoi. Mais bien sûr, faut avoir le Xbox Live Gold, ouais. Pas être en silver, voilà. Donc moi c'est ce que je vais faire, parce que malgré que je connais Borderlands, c'est toujours sympa. Ce laser commence à me gonfler. Toi aussi tu fais les poubelles. Ouais, je regarde un petit peu. C'est quoi ça? Je sais pas, il y a des choses. Ah si, je vois c'est quoi, c'est des munitions, d'accord. C'est bon. Un laser géant, ça pourrait être pire, j'imagine. Ouais, ouais, ça pourrait être pire. La petite Moxie derrière son bar rit. Elle s'enfile gâteau et whisky. Quand arrive Jenny comme une petite souris, elle oublie l'idée d'avoir un jour un mari. Oh, super. C'était pas mal. Tout va bien ? Moxie m'a dit que tu cherchais une IA militaire. Vraiment désolé. Mais ta meilleure chance, c'est Pickle, un ami à moi qui vit dans les Outlands. Il est presque impossible à contacter, mais je peux t'aider. Prends cet encodeur. Niveau 10. D'accord, on le prend. Bien. Je t'envoie les coordonnées. Moi, je suis pas encore niveau 10. Du garage de dalle sur ton système Echo. Mets-toi en route, je vais t'expliquer. Ah bah d'abord, tu vas me donner aussi ton autre mission. Hello. Bessie, ma broyeuse a fini par me quitter et je vais devoir trouver des pièces de rechange. Je sais bien que les pièces de broyeuse, ça pousse pas sur les arbres. Mais heureusement, j'ai entendu parler de deux broyeuses de pillards que tu pourrais inspecter. T'en fais pas, elles sont volées toutes les deux. C'est pas comme si tu les aides, des gens honnêtes. La première est à l'arrière d'un buggy. J'envoie les coordonnées sur ton système Echo. Au boulot. De toute façon, ça m'étonne même pas de Borderlands. Une machine basée sur une technologie de dalle que j'ai trouvée. Bon, déjà. En attendant, faut les récupérer. Et ça les recombine pour faire de l'équipement utile. Des armes, des boucliers, ce que tu veux. Et c'est fou ce que ça rapporte. Ah ouais, mais non, mais ils sont cons. Mais non, on va pas l'utiliser maintenant. On va d'abord voir toutes les missions. M-
Machine pas marché si pas branché dans personne. Moi, travaille pour toi et payé bien. Avoir gros problème. Réfrigérateur médical cassé. Les organes, les échantillons, mon dîner, tout va gâter. Avoir besoin, glace spéciale, conserver chose longtemps. Toi, chercher petite glace, et moi, je payais toi, d'accord ? D'accord. Faudra faire preuve de sang-froid. Non, pardon, j'ai pas fait exprès. Oui, c'est bien. Tu prendre foreuse, allez. Oh merde ! Foreuse, oh. Oui ? Tu me cherches ? Ouais, ouais, c'est bon, je la prends. Tu vas la chercher. Nina, c'est bon, ça. Heureuse, prendre foreuse et rapporter glace. Nina, s'il continue péter couille, toi, aller chercher glace toute seule. Donc là, voilà. On va changer de monde. Ouais. Au niveau de la, la glace, on y a déjà été ou pas? Je me souviens plus. Bah oui, il me semble, parce qu'on a le TP. Ouais, bah donc on a déjà dû y passer. On y avait été, mais il y avait même des champignons de glace, il me semble. Ah ouais, exact. Et même qu'on avait été un petit peu dans la glace, toi un peu plus longtemps que moi, et tu as bien subi... Ouais, je me rappelle. Ce que c'était les dégâts. Je me rappelle. Ah, déjà un véhicule. Ah merde, c'est bien. On aura du mal à rejoindre Pickle à pied. Mais je peux t'aider en te filant un Stingray. C'est une vieille technologie de balle. Ça paie pas de mine, mais Moxie a bricolé le modèle. Du coup, ça saute aussi haut qu'un skag en chaleur. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Alors. Et j'ai mis la main sur cet encodeur. Vraiment par hasard. Et il est censé débloquer la numérialisation dans cet ancien garage de Dalle où je t'envoie. Une fois que t'auras débloqué le Stingray là-bas, je me débrouillerai pour que t'en trouves dans tous les Munzumi. Ah, d'accord. Ah, parce que moi, je pensais que c'était là, donc c'est pour ça que j'attendais. Non. En fait, il était trop tard, j'étais lancé. Je venais d'afficher la carte à ce moment-là. Fallait l'afficher avant. C'est vrai, bon. Putain, je peux pas conduire ici, c'est trop la merde. Oh. Alors, le fail où je tombe. Bon. On recommence. Faut que tu prennes à gauche. À droite, pardon. Vas-y, à droite, prends le pont ici. Le pont. C'était au niveau du pont, je m'en doutais, d'accord. Là, c'est bon. Et après, c'est où? Après, tout c'est tout droit, ouais. Youhou! Bah, regarde, là aussi, on saute, non? C'est pas assez haut. Ouais, bah. Ah, mais attends, parce que là, il y a plusieurs trucs. Attends, eux, ils nous. Attends, je vais allumer. Je vais ouvrir la carte, parce que là, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, ouais, mais attends! C'est pas là qu'il faut aller d'abord. On va aller vérifier un petit peu l'émission par-ci par-là. Coucou. Oui, wow. Et regarde. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pique en tout cas. Hein. Tu veux faire bon. La course? Je suis ton homme, Minus. J'ai plus de vie. Tu veux battre mon record, c'est ça? Oh, oh merde. Wow. Ouais, c'était du sarcasme. Oh oh. Si non, non, non. Non, on va essayer. Dégage, dégage. Oh, mais... putain. Bon bah là je crois qu'on est RIP hein. Mais c'est quoi qui nous attaquait? On a encore des trucs au ciel ou quoi là? Non ah, c'est... regarde. Il y avait un ennemi je crois. Mais ouais mais non l'ennemi je le voyais pas. Ah on est de l'autre côté en plus. Oh putain. Mais ouais mais je comprends pas là, on s'est fait attaquer par quoi? Moi je l'ai pas vu hein, l'ennemi en tout cas. Je sais qu'il y avait des ennemis devant nous, mais je veux dire, là, je sais pas, c'était comme des bombes. Les autres, ils balancent de la glace, pas des bombes, quand même. La course. Bon, je suis pas chaud. Hein. Je t'avouerai que je suis pas chaud. Bon, on n'est pas obligé de la faire. T'es sympa. Tu te barres sans moi, comme ça. Mais tu vas sur le véhicule. Enfin, tu vas sur le panneau et tu peux te faire TP au véhicule. Hein. D'accord. Je te l'ai déjà dit ça. Je sais pas. Bon. D'accord. Donc, il veut nous casser les couilles lui. Donc je vais me faire TP véhicule. Mais attends, mais ouais, mais je vois c'est quoi. Mais oui, il y avait un véhicule qui nous a pété là. Regarde, c'est cet enfoiré qui nous a éclaté. Mais d'abord on va le tuer, tu vois. Voilà, comme ça. Il a pas dû disparaître.
C'est solide, ces petites bêtes. En haut, en haut, en haut. Essaye de buter. Parce que je crois que... Ok. Alors. Attends, il y a des véhicules. C'est quoi ça? Ah non. Bah ça c'est des petites bestioles qu'il faut tuer aussi. Je les vois pas. Ah là ok. Là je bouge pas trop, voilà. Donc c'était ce putain de véhicule. En fait il nous a tué, en plus il s'est barré, tu vois, comme ça. Ben on n'a pas pu remarquer. Alors, par contre. Bon sang, si tu m'étais encore plus longtemps, on serait déjà la semaine prochaine. Ah ok d'accord. Deux minutes. Moi, je suis pas dans le bon sens. Début du compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 2 et demi. Go. Et c'est parti. Enculé. je suis pas sûr que je réussis du premier coup. Oh putain, ah, mais attends. Je vais pouvoir vous passer. Ok, d'accord. Putain. Oh mais putain, mais c'est n'importe quoi. Ouais ben calmos. En même temps je connais pas la route qu'ils veulent me faire emprunter, je suis pas chaud hein. À gauche. Mais putain, bah ouais, mais la caméra en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est la caméra, ouais, non, ça va être chaud. Oh là là. Ouais, puis en plus, c'est des... t'as des petits rochers à la con. Ton véhicule il saute comme. Oh la ferme, toi, parce que je te fracasse. Oh mais sérieux? C'est bon, ça passe. Ça passe. Tout était calculé ou pas. Oh. Alors tu prends des clous rouillés et de la rissa et tu te les enfonces un par un dans le cul. Ok. Ouais, vas-y. Et je peux te frapper parce que tu m'as énervé. Ça c'est pas joué à beaucoup en plus. Ouais. Une seconde près. Un poil de cul. Punaise, ça a bien XP. Je prends le fusil à pompe. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Blah. À mon avis, on va devoir faire que des courses, c'est pas cool. Alors, par contre, ça, je prends. Ah, ça gèle les ennemis. Ah, il faut être niveau 11. Attends, la quête, elle était de haut niveau? Alors, on a bien XP, ouais, donc... Ah ouais, regarde, difficulté grande et... Merde. Ouais, ouais, bah, de toute façon... Mais c'est quoi, là, au niveau du foie? On est pas du côté du foie, là. Je sais pas, une bassine avec le foie. Oh, puis fuck, hein. C'était quoi? On est dans les plaines, donc trou dans la glace. Ok. Broyeuse. Broyeuse, ça, c'est, je crois que c'est ce qu'on devait faire. Ouais, c'est ce qu'on n'était pas. Attends, je vais choisir une arme. Bah moi j'ai pris le fusil à pompe direct. Je vais pas chercher à comprendre. Allô garage. Ok. Alors les amis, on va pas s'embêter. On va faire trou dans la glace parce que trou dans la glace, c'est tout près. Donc je t'invite après quand tu seras, tu vas sur le panneau et tu te TP. Il y a pas de panneau ici. Si, y a un panneau. Ça nous fait perdre moins de temps en fait de faire ça. Alors c'est bien.
Ça veut dire que je vais devoir descendre forcément ou... Ouais. Comment ça se passe? Je pense. Oh merde. Donc il faut qu'on retourne derrière et c'est reparti. Oh, la mission nous a fait bien exprès, okay. Je suis déjà à la moitié de la barre. Ah, moi je suis pas vraiment à la moitié, je suis à 40%. Donc, ok. Ça passe ou non, ça passera pas. C'est fait exprès. Allez, c'est parti. En tout cas, j'ai hâte de tester ce fusil à pompe. Ah bah non, c'est vrai, je dis j'ai hâte de tester 11. Ce fusil à pompe. Je sais pas, c'est niveau 11. T'as pris le fusil à pompe aussi? Ouais, je l'ai pris, ouais. Ouais, le flingue. Rigole pas, mais le flingue peut être très fort. Hein. Ouais, mais des flingues, j'en ai la blinde. Regarde, déjà, le flingue que j'ai, là, honnêtement, je le trouve sympa. Hein. Il tire pas très rapidement, il est plutôt précis. En plus, tu peux laisser enfoncer, t'es pas obligé de tirer comme un gros dératé. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver un raccourci pour placer la perceuse. Ah bah... Oh. D'accord, faut tirer dans son œil. Ouais, ouais, pour faire des coups critiques. Oh, et pas mal. What? What the fuck? Arrêtez les conneries là. Je me suis fait démolir. T'es mort? Non, mais je me suis fait démolir. Ça n'empêche pas. J'ai senti les dégâts. Ça a fait limite à one shot. D'accord. Mais ouais, mais t'es lente, Nina. Je m'en fous. Donne-moi ta foreuse. Oui, ici, il y a plein de caisses. Attends, moi, je vais placer. Je te laisse faire, du coup. Il faut tuer les grands. Niveau 12, quand même. C'est vrai que pour le moment, on compte pas encore des ennemis avec des têtes de mort. Les ennemis avec les têtes de mort, c'est limite one shot. C'est lui qui m'a fait trop mal en fait. Parce qu'il m'a balancé une connerie à la glace. Ok, j'ai plus de munitions, je change d'arme. On va prendre quoi? Ouais, c'est bon. Avoir compris, toi, ce que tu veux. D'accord. On en a déjà un bon. Ça me va pas. Moi, je veux donner à Nina. Ouais, moi, il faut que je vende aussi. Oh, moi, ça va être la même galère. Hein. Parce que là, je suis full. J'avoue qu'en fait, j'aurais pas dû prendre les armes tout de suite. Est-ce que tu peux attendre pour les missions de ce style? Oh, c'est un putain de tremblement là. Ah ouais, non, bah tu m'étonnes, là, que c'est pas normal. Ah ouais, là, sur le crâne. Ah, on sait pas si c'est un crâne, mais... Bah, ça a l'air bizarre. Ah bah... Pourquoi je fais pas de coups critiques? T'en fais de chez toi? Non. Non, mais en même temps, j'ai une arme élémentaire, donc moi, ça me va. Sauf que je l'ai pas brûlé. Wow. La foreuse a décollé là-bas. Oh oh. J'ai plus beaucoup d'herbe. Enfin, j'ai pas d'herbe, tout court.
T'as... J'ai la foreuse. T'as dépermuté l'appareil, je pense. Hein, parce non, que non. Ou alors, bah alors c'est lui qui la déclenche. C'est chaud. Je n'ai pas dépermuté. On redonne pas la glace à ce barbotte. Barbotte, t'en veux, tu te démerdes. Tu vas en faire toi-même. Bon. Alors les amis, on va juste se mettre tout près du véhicule. Et on va s'arrêter ici. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. On se retrouve donc pour de prochaines aventures sur Borderlands Pré-Séquel, toujours en compagnie de Wozux. Hein. De toute façon, ouais, on va se faire le jeu. Et je vous dis donc à très bientôt les amis et salut à tous. Bye bye tout le monde.